Ah, elle est à tête chercheuse. Changer de forme. C'était Bardock Xeno format des Mental Control Super Saiyajin Goto. Goku, Migate no Gokui, c'est-à-dire Ultra Instinct Saiyan, Omen, Super Saiyan 3. Non mais c'est fantastique. C'est fantastique, hein, c'est fantastique. Hein. Vegeta SSJ3, Goku SSJ12, Goku Super Saiyan 3 bleu. Non mais voilà. Avouez qu'on a, on a quand même de la qualidade. De la qualidade qui est juste quand même exceptionnelle. Exceptionnel, on peut pas parler mal de ça. On peut pas parler mal de ça. Ce Zaiko par exemple. Voilà. Non, c'est juste trop qualitatif. Mais savez quoi, j'étais curieux. Allez, j'étais curieux. Vegeto Super Saiyajin Purple. Bon d'accord. J'étais trop curieux peut-être. Voilà, j'étais curieux. On termine là-dessus et on fait un autre tournoi sur une autre ROM après avoir comptabilisé les points. Allons-y. En, a pelear. Vamos a pelear. ¿Quién ganará? La batalla de la lucha. ¡Quiero acabar con el maldito! We'll be right back.
Oh là 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 là. No puede ser. Il s'est fait, mais ultimé. Hein. Il est ultra stylé ce combat, mais Vegeta s'est fait un peu chier dessus. Hein. Voire même, pour pas dire que Vegeta s'est complètement fait chier dessus, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Tu vois les persos qu'il y a. Ouais, non, Dios de la Destruction qui veut plus rien dire. Les persos Super Saiyan 5, absurde. Oh, Dios de la Destruction. Ça déconne zéro. Hein. Ça déconne absolument zéro. Les Bardock Ultra Instinct. Ah non, mais c'est absurde. C'est complètement absurde. Hein. Goku fusionné à Gohan. Ah, Vegeta Black Rosé contre Goku Black Rosé. Ça c'est intéressant ça. Ça c'est un match-up qui nous intéresse, n'est-ce pas? N'est-ce pas, brave Jean? C'est un match-up qui nous intéresse tous. Ouais, it's fine. Let's go. Rosé. Goku Black Lives Matter, exactement. Ah, ya vino alguien que vale la pena. ¿Crees que podrás ganarme, ignorante? ¿Quién ganará? La batalla comienza. ¡Arrodíllate! Fabuleux. Ultra Instinto. Máximo poder de orgullo. Mierda del Saiyajin. Yeah.
universo. Oh là 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 là. Ce match était exceptionnel. Job Jetta l'a fait. Techniquement, c'est pas Vegeta, hein. C'est Zamasu. Hein. Zamasu dans Vegeta, mon gars. Mais voilà. Alors, Vegeto Black aussi, alors ça c'est absurde. Zaiko, SSJ Rosé, bien sûr. Broly Ultra Instinct, Super Hearts. C18, Forma des Waifu. Goku Migate no Gokui qui veut rien dire. Ça c'est pareil. Non mais on a, c'est pas qu'on a tout vu, c'est qu'on a vu les plus forts si tu veux. Hein. Après bon, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir avec un dernier match avant de changer de robe. Il est ouf. Il est où ? Il y avait ça, hein. Il y a Cell Boozer. Cell Boozer, mais... Qu'est-ce qu'il y avait en face? Goku SSJ 5. Ah bah voilà, Super Hearts. Merci. Le boss qui a absorbé l'univers, tu veux, qui est normalement plus fort que Zeno-sama. Allez, allons-y. Sentirán el peor dolor que existe en el infierno. ¿Quién ganará? La batalla comienza. Pas mal. Te advierto que esta vez soy un poco más fuerte. Bueno, ya es hora de amor. ¿Quién ganará? ¡La batalla comienza! ¡Cinco barras! Ha terminado. Esto jamás te lo puedo. Convertido en un dios de la destrucción, puedo destruir lo que quiera, soy invencible.
La batalla comienza. Este será tu final. ¡Bueno del dragón! ¿Qué estás viendo? Este será el final. Es hora de terminar con todo esto. Es hora de terminar con todo esto. Que todo. Listo. Es hora de terminar con todo esto. Es ¡Te mandaré al otro mundo! Es hora de terminar con todo esto. Es hora de terminar con todo esto. Las basuras siempre serán lo más asquerosas. ¿Con quoi? Cellboozer, invincible, hein, absolument invincible. Bon, je vais vous proposer un deuxième tournoi, mais d'abord nous allons voir qui sont les vainqueurs de ce tournoi. Team, malheureusement, est disqualifié puisqu'il n'était pas là la dernière fois. Quoique, il était là la dernière fois, mais là, il n'est pas revenu. Je ne sais pas s'il est revenu, Team. Hein. C'est pour ça, si Team est là dans le chat, qu'il me fasse un arrobas fantabobshow de manière à ce que je le voie, sinon tant pis. Mais sinon, ah tiens, nous avons des ex-echo à l'infini. Voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ex-echo pour une raison qui m'est obscure. Pourquoi ils ont des multiplicateurs de bêtes? Il me semblait avoir demandé qu'il n'y ait plus de multiplicateurs, on est d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette feinte? Qu'est-ce que c'est que ce n'importe quoi? Je suis en finale, félicitations. Ah, ouais, voilà. Attends, me dit Scoxy. Parce que j'ai du mal à imaginer qu'ils aient pu gagner 405 000 points avec les paris. J'ai dû remettre l'ancien code. Ah, tout s'explique. Donc malheureusement, c'est une fraude. Je vous invite à tous ceux qui ont gagné à faire un screen là tout de suite pour prouver que vous avez bien gagné. Et vous pourrez le montrer à votre pote juste avant que j'efface tous les points. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça. C'est la vie, hein. Regarde, je suis 13e et j'ai un multiplicateur, c'est vrai. Ce qui n'aurait pas dû arriver, vu qu'il n'y a plus de multiplicateur. Ouais, voilà. J'ai encore mes points de dernier stream quand je suis arrivé. Je sais. Je vais remettre le nouveau code. Ah, je prendrai volontiers le lot des 7 gagnants, comme ça, pas besoin de les départager. Zigma. Je retourne dans mon placard à débilus. C'est pas grave, on y arrive. Hein. C'est many things that needs to be erased. J'espère que vous avez pris vos screenshots pour prouver que vous aviez gagné. Ça ne changera rien. Scoxy, je vais réinitialiser les points d'ici une trentaine de secondes, tu me dis. En attendant, explorons la nouvelle ROM qui s'appelle, si je m'abuse, alors c'est pas, je crois que c'est la Deluxe, hein, c'est ça, Deluxe 2018, qui est en fait une version fraudée, mais qui est beaucoup plus équilibrée et qui permet de faire des torneos del poder d'une caridad absolument folle. Super. Le screen est pris et le somme de mes potes est présent désormais. C'est beau. There are many things that need to be erased. With my new factory, I can make yellow cheese. I can also make bars of soap so I can be clean. Excellent.
C'est nettoyé, j'ai changé l'opacité, petit décommandant du bot à cause de Twitch dans un mauvais moment, cas passe pas grave, ce sont les choses qui arrivent. On me confirme que tout est bon, je vais prendre l'overlay et l'actualiser, rafraîchir le cache de l'overlay, excellent pour être sûr. Parfait, parfait. Oh là là! Ça a l'air fantastique, attendez. Où est la musique? Où est la musique? Voilà, c'est là, impeccable. Mes excuses. Voilà, je relance et on se met dans l'ambiance del nuevo, nuevo torneo del poder. Et ce tournoi sera un tournoi de 4 équipes en équipe, brave Jean, en suivant le manga. Et l'équipe finale pourra affronter les équipes ultimes. Et ça va être fou, brave Jean. Torneo del poder! Torneo del poder maximo! Oh là 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 là. Ça va être la max, hein. La max. Team battle. C'est pour ça que je mets que 4 équipes pour donc 3 matchs, parce que sinon ça prendra 30 ans. Merci Mathéus Nerd. Ce poder maximo quand même. Poderoso maximo. Ça déconne. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 version latino. Deluxe. Fantastique. Nos han esperado. Esta pelea no es para ustedes. Prepárense para morir. Esta pelea no es para ustedes. ¿Por qué no vemos las habilidades? Ganaremos la batalla si peleamos juntos. ¡La batalla! Voy a divertirme con ellos. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai remis le nouveau code, c'est bon, tout est bon, on fonctionne. Alors, cette ROM, brave Jean, est assez fumée parce que... Le premier rang fait aucun sens. Gohan, Dios de la Destruction, Ultra Instinto Master Edenhel. Goku, Dios de la Destruction. Vegeta, Dios de la Destruction. Zaiko, Dios de la Destruction. Yamcha, Dios de la Destruction. Goku Black,
Goku Negro, dios de la destrucción. El hermano de Jiren. Forma final, 100% de poder. La deuxième ligne est pas mieux. Goten Xeno. Trunks Xeno. Super Paikuhan. Beat. Bardock Xeno. Qui a le Super Saiyan, mais il a aussi un Ultra Instinct. Vegeta Time Breaker. Rey Vegeta Xeno. Toa Mira en forme SSJ4. Fou Demigra. Dabura Xeno. Machin Buu Xeno. Et Janemba Xeno. En face, nous avons la ligne des Super Saiyan 4. Voilà, et Goku, Vegeta, bien sûr, Gohan, Broly, Xeno, SSJ4, Zamasu Fusion. Ah oui, Fusion des Zamasu Super Saiyajin 4. Et oui. Et enfin, Android 21. Général Rildo, celui qui danse. Super C17. Super Baby. Et ensuite, bon, bah, les Shenron. Voilà, et Majum. Mais là, c'est là que ça devient intéressant, parce que nous avons Gohan Jeune, Goten, Trunks, Table, Jin, Bera de Dragon Ball Multiverse et Pan, Forma de Adulta, qui est un perso qui est complètement pété. Hein. Ses dégâts sont complètement déséquilibrés, je l'apprends pas, je vous préviens. Ensuite, nous avons les méchants de la série classique, avec dans le tas un petit Bojack, 100% des poders, ça fait plaisir. Nous avons une page pour le manga. Regardez, Zamasu Fusion du manga, Goku Manga avec son Blue Full Power, Vegeta Dios, Child, Ozoto, Copy Vegeta, mais lui il vient du dessin animé, et Kuriza, le fils de Freezer. Attention. Zamasu Immortel, Goku Black, je suis sûr ils peuvent fusionner en Zamasu Fusion. Trunks de DBS, Vegeto, Shin, Gowasu. Il y a Gowasu. Et enfin, là on va passer dans les teams qui sont vraiment comme dans le manga. C'est-à-dire, il y a les trois trios des Dangers. Voilà, ils sont là. Il y a Majin Buu Maigre. Il y a Master Roshi. Tenshinhan et Krillin, bien sûr. Et il y a toute l'équipe. Toute l'équipe qui sont là. Et ils ont toutes les formes qui vont bien. Ah, excusez-moi. Brave Jean, ma femme me demande de l'aider à déplacer des meubles. Je reviens. En tout cas, juste avant que j'y aille, il y a l'univers 7, je crois. Ça, c'est l'univers 6, si je m'abuse. Je sais pas quel univers c'est celui-là avec Rebrian. Il y a l'univers de Jiren avec tous les orgueils, les Pride Troopers, c'est fantastique. Il y a tous les dios de la Destruction. Et il y a bien sûr les deux Zeno-sama et le Daishinkan qui a la forme véritable. Et ça, ce sont les formes supplémentaires que les persos peuvent prendre. C'est-à-dire qu'ils sont pas affichés mais qu'ils peuvent se transformer dedans. Donc c'est stylé. Et bien sûr, il y a quelques persos bonus qu'on rajoutera derrière pour le plaisir. Du coup, j'aimerais faire des équipes del Torneo del Poder et de voir comment ça donne avec une équipe de vieux pour le plaisir. Je reviens.
Heureux. Alors malheureusement, bien sûr, l'insonorisation de la pièce n'étant pas encore faite et l'écho étant dégueulasse, avec ma femme qui dort littéralement dans la pièce d'à côté,
c'est ce qu'on appelle la panique. Tant pis. Alors du coup, je voulais faire un torneo del poder. Tu vas pas pouvoir créer. Ah non, mais ça va être galère. Ça va être galère. Mais tant que l'insonorisation sera pas faite, ce sera la galère. Quand ce sera fait, ce sera fait. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais faire Torneo Poder. Torneo del Poder. Du coup, attendez que je le retrouve. Cette merde. C'est de la merde, ça, on s'en bat les couilles. Oh là là, ce Shaggy Ultra Instinct délicieux. Alors attendez, j'étais dedans et j'ai été coupé. Merci. Là. Voilà, très bien. Excellent. Alors, nous disions... Erase. Très bien. Team de 4. J'ai besoin de 4 teams pour El Torneo del Poder. La chambre où est l'ordi est plus grande qu'avant maintenant? Oui, tout à fait. Mais surtout qu'elle est juxtaposée à la chambre à coucher. Ce qui, moi, me dérange. Et si jamais ça devient vraiment, vraiment un problème, je mettrai le PC dans le salon. Et putain, c'est la vie. Et je ferai ma vie dans le salon. Du coup... Je construis les équipes, je reviens auprès de vous. Très bien. Impeccable. Il n'y a pas de Guan Blanco, c'est honteux. Il y a un Guan Blanco. Mais t'inquiète. Parfait. Équipe 1. Il faut qu'on note. Définitivement un universiste, ce qu'il faut. Laissez-moi construire les équipes, hein, j'arrive. Et définitivement une colifla. Définitivement un hit. Définitivement un frost. Honnêtement, KB, on s'en bat un peu les couilles. Je pense pas que KB puisse nous surprendre, si tu veux. Un petit Botamo, ça m'a l'air très très propre. Caulifla SSJ. Et une Kale SSJ. Ouais, ça m'a l'air très honnête. Hein. Très honnête. Et rassurez-vous, ils sont déjà assez overpower, les persos, comme ça. Alors, attends, c'est Hit. Merde, comment il s'appelle, lui? Bon. Freezer 2. Ouais, parfait. Frost. Bien sûr, c'est Frost. Frost, vendu. Ensuite, deux autres équipes, alors j'aime bien celle-ci, mais une chose est sûre, il va y avoir l'équipe Jiren, hein. L'équipe Tropas de Orgullo. La question, c'est on cale lesquels? Il y a Kettle, Tupper,
Cocotte et Dispo. Une chose sûre, ces trois ils sont là et Cocotte il y est. C'est juste entre Tupper et Kettle. On prend lequel? Tupper ou Kettle? Allez, Kettle, elle est vendue. Kettle est 100% pris. Donc c'est. Univers, je sais plus combien. C'est le 11, très bien. Très bien, très bien. Après, on pourrait rajouter l'univers Ribrian. C'est vrai que c'est du fun. C'est du miam. Ils étaient pas ensemble, non? Si. J'ai pas le souvenir qu'ils étaient ensemble, eux. Ah, mais la team waifu, ils vont être pétés du cul. Team waifu, ils vont être pétés du cul. Il y a un dios de la destruction. Non, non, un team waifu, c'est un truc de boss. C'est un truc de boss. Donc eux ils sont pas du tout, ouais ils sont dans l'univers 6, c'est ça. Ils sont pas du tout dans le dans cet univers là. Bah écoute, on va faire une équipe de vieux. Je veux Gowasu, c'est garanti. J'ai vu Caillou et Mister Popo, où sont-ils? Oh, il y a un Kaioshin Anciano. Et Paragus, ça compte comme un vieux, hein. J'ai envie de dire Paragus, ça compte comme un vieux. C'est garanti. Oh non, il y a Zarbuto, mais voilà, garanti. Voilà, un garanti. Garanti, garanti. Bon. L'équipe gagnante aura la chance de tenter d'affronter Yamcha, Dios de la Destruction. Roshi, il est déjà mis, Roshi. Hein. Il est déjà dans l'équipe de base. Respectez-moi. Et du coup, c'est l'heure du cheval. Fais voir. Oh, c'est dommage. Ouais, allez. Allez, vendu. Quoique, attends, j'aime pas l'ordre dans lequel ça se fait. Est-ce qu'on peut les avoir en haut? Ouais, nickel, voilà, très bien. Et ben parfait. Univers 7, Goku Blue, Vegeta Blue. Merde, Vegeta Blue, Gohan, Freezer, Roshi, c'est parti. Alors j'avais dit bleu. Impeccable. Contre en face. Aïe, aïe, bien sûr. La tropas de Ogurio. C'est parfait, ça. Parfait, parfait. Où sont-ils? Ils sont là, ils sont là.
Ça se trouve, Ketol, il est trop fort, il va nous niquer notre race. On va rien comprendre. Ça se trouve, il y a des persos qu'on ne verra jamais ce soir. Torneo de poder. Merde. Ya estoy listo. Oh, il est trop bien fait. Cette liste, et ben brave Jean, place your bets. Alors dans ce tournoi, tout est permis. Hein. Régénération, fusion, poder. Tout est permis. Transformation en Kaioshin, transformation en Bardock, transformation en Goku Super Saiyan 3 Ultra Instinct, transformation en Petit Cell, tout est autorisé. Aucune limite. Faut juste qu'on trouve un nom à ce tournoi. Si quelqu'un a un nom à proposer, allez-y. Torneo del Orgullo. Allons-y. Maximo poder. Ah!
¡Esto te pasa por presumido! ¡La burlanza de mí no lo permitiré! ¡Gualapá! ¡Qué extraño! ¡Tengo tiempo para estar jugando! ¡Turnazo de ti no lo permitiré! Finalmente, me toca pelear. ¡Vamos! ¡Un chifle! ¡No me divierto contigo! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Tu casa de mí no lo permitiré! ¡Ya! ¡Soy el guerrero más poderoso! ¡Te burlaste de mí! ¡No lo permitiré! ¡Voy a acabar contigo! ¡Hazte a un lado! ¡Esto se pasa por presumido! ¡Los estoy esperando! Ahora es cuando acaba de empezar. ¡Aquí estoy! ¡Allá voy! Ya me cansé de estarte esperando. Ya me cansé de estarte esperando. ¿Quieres saber una cosa? Veo que se puede confiar en usted. Ahora todo gira. Oh, my God.